Monsieur Jutas, vous avez dit quoi qui avait posé la question, à savoir pourquoi on revient encore sur la parité proposée par les États-Unis. C'est vrai, c'est un avis qu'on avait apporté lors de nos discussions, et la partie adverse avait accepté le principe. En effet, on a refusé d'aller prêter serment, tout simplement parce que toutes les positions, toutes les promesses qui avaient été faites n'étaient pas respectées par la petite ville. Il était dit que, avant de continuer dans l'enrôlement des électeurs, il fallait que la CENI soit mise en place. Souvenez-vous qu'ils ont commencé l'enrôlement avant d'avoir accepté la parité. Donc, il est difficile que l'opposition démocratique puisse prendre en route les membres de la CENI, en venant que l'opposition prenne en route des travaux qui sont déjà pratiquement terminés. À quoi ça servirait d'avoir des membres de la CENI dans une CENI qui aurait tout organisé de A à Z? On aurait plus de chances d'aller ensemble dans l'organisation, dans la préparation et l'organisation de ces élections. Et nous l'avons bien expliqué aux représentants de la CENI lors de la dernière réunion que nous avons eue ici à Lille. Puis, le président de la Guinée nous avait dit lors de nos entretiens avec la CENI, sans que la question ne soit posée, qu'il était acquis par la CEDEAO que la CENI sera présidée par un étranger. Que cette personne sera désignée par la CEDEAO. Il y avait, c'était en présence de la délégation du RPD Uni. On revient à Lomé, on nous dit qu'il y avait une question. Et vous voulez aller, que vos délégués aillent, prêtez serment, pour quoi faire? Pour assister, pour voir ce qui est en train de parler en notre absence? Nous avons dit non. Et ça, je crois qu'on a eu l'occasion de vous l'expliquer très bien. Candidature et à quand la déclaration du candidat de l'ANC? Vous savez que l'ANC est un parti politique et que avant le choix du candidat à la magistrature suprême, c'est notre organe suprême qui en décide. Il s'agit d'un candidat. Nous avons 110 fédérations sur le territoire national plus 3 à l'international. Il faut que tous les cadres, les premiers cadres de ces fédérations soient réunis à l'ONU avec le bureau national, le comité politique et le comité exécutif pour choisir celui parmi nous qui sera à même de défendre nos couleurs à la consultation présidentielle. Nous l'avons toujours fait, nous ne dérogerons pas cette fois-ci. Donc, très prochainement, je vais confier un congrès de l'ANC au cours duquel il y aura peut-être un, deux ou trois candidats et le candidat, le choix du congrès sera porté sur le mouvement. Et nous savons que dans tout parti politique, le candidat naturel, c'est toujours le président. Il sera certainement président, je ne sais pas, il n'en a pas encore parlé. Il sera certainement candidat. Si donne sa candidature et qu'il est approuvé par l'ensemble des congressistes, vous serez présent et vous connaîtrez le rang au sommet.